Allô, la famille, connectez-vous, connectez-vous. Ça, c'est le live. Oui. Ça, c'est télé-réalité. J'ai la machette, j'ai la hache. Je vous attends ici. Parce que vous voyez les gens dehors que quand c'est problème, vous venez chercher les problèmes. Vous voyez quelqu'un dehors, quelqu'un ne vous a rien demandé. Mais vous venez chercher parce que vous voulez humilier la personne. Lundi, je reprends le contrat NJ à mon nom, ici. Je suis encore allé acheter les bougies parce que le courant a été coupé. Je suis ici et dis bien que j'ai la hache. J'ai la machette. On va se faire ça ici en Bain. Je m'avais acheté des bougies. Et la voiture, j'ai chargé mon téléphone. Si j'éteins la lumière, ça va devenir les ténèbres. Comme on dit les ténèbres, les gens font les directs dans les ténèbres ici. Je dis, Laurent Menge, moi, je vais te mettre, je vais t'incendier ton truc-ci. Ne me remets pas le courant. D'ici lundi, je m'en vais acheter les bougies. Je vais te mettre, je connais, tu connais ce que vous avez ici, non? Parce que moi, je n'ai plus rien à perdre. Je vais t'incendier ton truc-ci là. Tu me connais pas, hein? Ah, oui, j'ai déjà versé le sang, Mariama. Est-ce que c'est que? Vous allez voir que j'ai déjà versé le sang. Parce que j'étais ma chose tranquille, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé, je n'ai rien demandé. Tu as pris les clés, tu m'as donné. Il n'y a pas de voleuse de biens. Oui. Voleuse d'une maison louée. C'est loué hein, ici. Hein. C'est loué. C'est pas acheté. Voilà. Je ne prends rien de studio. Il dit que je pars d'ici quand je veux. C'est parce que là, c'est tard. Lucien ne peut pas venir constater. Mais lundi, il va constater. Lundi matin, la première heure, il viendra constater. Je cours comme ça acheter les bougies. Tout le week-end, je serai chauffée à la bougie. Il n'y a pas de problème. Je suis une guerrière. Oui. Les gens, les enfants qui sont au Maroc, partout en brousse, là-bas, là, ou bien en hiver, là, et tout, ils choquent dehors. Et j'ai les manteaux comme ça, ils vont porter, ils vont choquer jusqu'à lundi. Et je vais vous filmer en live. Quand mon téléphone est éteint, je viens, je charge dans la voiture, même je vais aller sonner. Parce que demain, là, c'est la nuit, je ne dérange pas. Demain matin, je vais toquer chez tous les voisins ici, seront au courant de mon histoire. Tout le village ici sera en l'air. Dès demain matin. Oui, je ne sors rien du tout. C'est comme ça qu'on sort. Une personne est dingue, vous voulez la rendre dingue ici en Bain. Elle dit, je m'en vais acheter les bougies. Je vais me réchauffer à la bougie jusqu'à là. C'est parce que j'ai appelé maintenant là, EDF là, NG là. Les bureaux sont fermés, donc ils ont calculé là pour appeler pour qu'on coupe le courant. Oui. C'est les gens. Même si elle change la série, je casse, j'habite ici, mes affaires sont là. Je vous dis que c'est la crève hivernale. Je vous dis ça. Comme je suis venu ici pour qu'on m'humilie, en live, on va vivre ça. Ça va se passer en live. Vous allez voir parce que vous avez souvent l'habitude de... Je vais faire ça en live. Si je veux démolir ici, si je vais démolir en live. Comme ça, on me prend, on va m'amener chez les fous une fois. Vous vous amusez ici dehors, hein? Vous vous amusez avec les gens ici dehors. Je n'ai rien demandé. Rien. Je n'ai demandé à personne de me donner. Oui, les bougies vont m'aider, t'inquiète pas. Je suis une guerrière, j'ai les manteaux, j'ai les chaussettes, j'ai tout. C'était ça, le plan B dont elle parlait avec l'abbé Samé. C'était ça, le plan B. Le plan B, c'était que à 18h, tchac, on coupe. Il n'y a pas de problème. Tu sais, justement, comme je deviens folle là, je peux mettre le feu ici, je brûle. D'ailleurs, donc, c'est le truc, je brûle. Comme ça, on a bien dit que je suis folle. Je brûle tout.
Il m'avait pris un bidon d'essence avec les bougies. Vous n'avez jamais vu quelque chose. Il a vous servi le show. Vous avez le show sur Facebook. Vous avez le show avec moi. Il n'a rien demandé à quelqu'un. Rien. Je suis là, j'essaie de m'en sortir. Voilà. J'essaie de m'en sortir, je n'ai rien demandé. Attends, mais elle peut me garer chez le voisin. Si elle peut me charger mon téléphone ici chez le voisin. Attends, je vais bien me garer, je vais sauter chez le voisin. Voilà. Je vais demander au voisin si il peut charger mon téléphone chez lui. Et lui dit, il lui annonce déjà qu'on m'a coupé le courant. Commence d'abord à alerter les voisins. Voilà. Attends. Je fais pitié, hein. Toi, tu as pitié de moi. Quand tu me vois, elle ressemble à une fille que tu dois avoir pitié d'elle. Je suis un gangster, on va donner un gars. Il va retourner là, la situation ici devant vous. On a dit que c'est le show sur Facebook. Vous allez voir jusqu'où on peut sortir des réseaux sociaux. Pour la réalité, merde. N'arrive même pas à bien tenir le truc. Il va vous montrer. Je ne peux pas la bloquer, faut qu'elle baisse. Laisse-la, Andy, laisse-la. On va vous servir le show. Comme ça, vous allez voir ici en Ben comment certains Camerounais se comportent. Oui, ça commence même pour faire marche arrière, mais ne passe. Maintenant, je suis stressé. Donc, c'est pas grave. Les aventures, je vais aller sonner chez le voisin. Venez avec moi, tout ce que je vais faire. Elle n'est jamais propriétaire, elle est locataire. Tout ce que je vais faire, je fais avec vous. Voilà, je vais aller demander aux voisins si je peux charger parce qu'on m'a coupé le courant. Voilà. Voilà, ben, mes frères et soeurs. Ben, que vous voulez venir là, c'est ça. On vous tend la main, c'est pour vous assommer. Voilà, ben. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bonjour. Oui, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, j'ai un souci là, on m'a coupé le courant. Oui. Là, vers les 18h, et puis il n'y a plus moyen d'appeler Angie pour quoi que ce soit. Alors, ouais. Non, je peux pas charger. Oui, je sais, mais je voulais charger juste mes téléphones. Est-ce que ça vous dérange? Ah que... non, voilà, donc je vais chercher les chargeurs en bas, je reviens avec les téléphones, et puis je... D'accord. Merci. Voilà. Donc là, la voisine, elle est cool. Donc je vais chercher le chargeur. Je reviens mettre l'autre téléphone en charge. Tant que je suis en direct avec vous, l'autre charge rapidement. Dès que ça finit de charger, je reprends l'autre. On est là. Ici, en hiver, comme ça, même dehors, on peut dormir avec les couvertures. Quand quelque chose vous arrive en bain, n'ayez pas peur. Soyez courageux. Moi, je suis courageuse. Voilà. C'est que ces gens, ils sont venus me piéger. Parce qu'ils voulaient le show. Donc, on va leur servir le show. Voilà. J'ai dit qu'ici, c'est une émission télé-réalité. Vous allez voir la réalité de Mbeng. Ancre Camerounais. Voilà. Je vais vous servir ça. Ça, c'est les lumières automatiques de dehors. Hein. Voilà. Les lumières automatiques de dehors, ça s'allume toujours comme ça. Voilà. Ça s'allume comme ça. Vous voyez, là c'est l'intérieur. Il n'y a pas de courant. Ils ont téléphoné, on a coupé. Voilà, donc c'était ça le plan B chez la Bessamé. J'ai déjà mis une bougie. Il y a une bougie là. Voilà. Pour les bougies, il n'y a pas de souci. Voilà. Je cherche le chargeur. La prise là, elle est où?
Je cherche le truc du téléphone là, mais oui. Voilà. Voilà. C'est ça. Et j'ai le truc dans la voiture. Donc, est-ce que c'est le corps de Sidon? Je te file Sidon. Je sais pas si ça donne dans la voiture. C'est bon. Moi, je vais charger chez le voisin. Voilà. S'il y avait une bouteille de vodka. Hein? Bon, merci. Ne bulle pas. Mouf, je peux tenter. Vous ne me connaissez pas. Mon enfant est chez son père. Moi, ça même des accords avec les camionneurs. Il va aller en tôle un jour. Hein? Vous vous amusez ici dehors. Hein? Vous voyez les gens ici. Vous allez tous les jours m'insulter que je n'ai plus rien à perdre. Donc, je n'ai plus rien à perdre. Je mets le feu ici. Je deviens pyromane en bec. Et quand on va mener les enquêtes, je ne cherche rien au parti. Je suis là. Jusqu'en avril, je suis ici. Si je sors, je reviens et trouve qu'on a changé la série, je casse. La police vient, la gendarmerie est au courant d'abord. Je reviens, je casse. Vous avez voulu que ça soit sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux. Lorraine Mungo, tu penses que tu es folle. Moi, je sais où te repérer. Et je vais te traiter dans ta vie. Tu ne me connais pas. Parce qu'on ne t'a pas demandé de venir me donner la clé de pour ton village ici. Voilà. Tu es venu me chercher exprès pour faire le show. Donc, on va donner le show aux Camerounais. On va leur servir le show. Voilà. Les Camerounais seront servis. Voilà. On va leur servir ça. Je m'avais chargé le téléphone chez les voisins. C'est bon parce que la voisine est déjà au courant que le courant a été coupé. C'est comme ça. Hein. Il va encore aller sonner chez l'autre. Chez l'autre voisin là. Je vais lui demander si elle peut rester un peu chez lui quelques heures que on m'a coupé le courant ici. Comme ça, tout le village est d'abord déjà au courant qu'on m'a coupé le courant. Tout à l'heure là. Voilà. C'est comme ça. Quoi qu'il vous arrive dans la vie. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, ne baissez pas les bras. Tenez bon. Kamikaze. N'ayez peur de rien. Quand une bande organisée se lève contre vous là, n'ayez pas peur, c'est quand vous allez jouer avec vous. Voilà. Donc mon téléphone à moi, mon téléphone personnel, hein, je ne serai pas joignable pendant quelques temps. Parce que je vais le mettre en mode avion pour pouvoir vite charger. J'utilise l'autre. Voilà. Oui? Ah, merci beaucoup. Vous me laissez entrer? Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Gentil madame, vous êtes gentille. Merci, okay. Merci beaucoup. Vous en avez combien? Coucou le chat. En fait, j'en ai deux. Mais j'ai pas les deux chargeurs. Attendez, parce que là je suis. Oui, c'est celui-ci que je veux charger. Attendez, je regarde si c'est le même. Le Samsung. Oui. Vous êtes gentille madame. Merci. Quand on a la bouche, il faut parler. Ça charge? Ah ben c'est bien celui-ci, je peux. Oui, je peux le mettre ici. Merci beaucoup. Je peux m'asseoir juste à côté comme je suis. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Merci. Voilà, vous allez téléphoner. Si merci. Vous avez merci beaucoup, oui. Je suis en train de téléphoner en même temps, Richard. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, donc, ici, c'est une chaîne de télévision télé-réalité partagée. Partagée à toute l'Afrique. Parce que ça, c'est une histoire qui arrive à beaucoup d'Africains en Europe. Voilà. Ça veut dire que vous êtes dans une situation précaire. Deux fois même pas, on vous tend la main et une fois que vous arrivez, le cauchemar commence. Voilà, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça et tout, machin. Tout. Et puis moi, la malchance, c'est que je suis personnage public, je suis dans les réseaux sociaux. Donc automatiquement, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, comme j'ai des soucis avec certaines personnes, elles sont allées derrière cette fille, l'ont encouragée à venir déjà, il y a deux jours, faire une scène. Je l'ai ramenée sur Paris. Aujourd'hui, elle est repartie sur une chaîne
de Gossip. Et dans la chaîne Gossip, on a bien écouté, on a dit qu'il faut passer au plan B. Donc, le plan B, c'était quoi? C'était couper l'électricité, comme on est samedi aujourd'hui. Donc, s'il y a l'électricité coupée, je vais rester, je ne peux pas rester, selon eux, je ne peux pas rester sans courant, quoi. Donc, du coup, je suis venue chez les voisins pour charger mon téléphone, parce que c'est le téléphone qui est le plus important. Voilà. Donc, le téléphone est en train de charger et après, il va aller dormir. Elle a bougé sans problème. Je mets tout. Lundi, je prends le code. J'appelle EDF. On est en France. Hein. Je vis dans cette maison depuis. Je vais appeler Engie. Ils vont mettre l'électricité à mon nom. Et là, ça sera jusqu'au tribunal. Mungo, il va te montrer que c'est en France là. Quand vous pensez que vous êtes fort, il y a plus fort que vous. Le show continue. Alors, par contre, tous les gens, voilà, aucune loi en plein hiver ne permet cela. Donc, où ils sont là, cette maison, ils l'ont perdu. Je vais rester là même 2 ans. Il dit qu'il change les cellules, je casse. Vous entendez, non? Voilà. Ce qu'ils ont fait là, personne n'a le droit de le faire dans ce pays-ci. Non, Laurent, on n'est pas encore à ce niveau-là. La honte, tu sais de vendre ton histoire à la dame pour qu'elle prenne en pitié. Je vends l'histoire à qui? Voilà un autre faux profil. Elle est... Non, vous n'avez pas compris. Coucou, ça va? En fait, vous n'avez pas compris quelque chose. C'est que Lorraine, c'est une fille foncièrement méchante. Voilà. Lorraine, sur les réseaux sociaux, elle a des problèmes avec tout le monde. Tous ses ex, Stanislaw et tout ça. Donc, pour revenir, je ne sais pas, pour se faire voir. Non, elle a rencontré. Après, c'est tout. Elle m'a raconté une histoire comme quoi elle avait acheté une maison. Elle n'a jamais acheté cette maison. Elle est en location. Voilà. C'est la dernière. Non, après, il n'y en a plus. Mais non, c'est qu'elle a appelé pour dire, alors, tu racontes une histoire, non? Et on arrête le compteur tout de suite. Ça se passe là-bas, c'est rapide. Et puis, comme c'est samedi, moi-même, je ne pouvais pas. Quand j'ai rappelé là, c'était déjà tard, ils avaient déjà fermé. Si j'avais appelé vers les 17h, 15h, on pourrait me remettre l'électricité. Voilà. Donc, même demain, ils ne sont pas ouverts, c'est juste lundi. C'est lundi seulement. Je ne cherche rien. Oui. Je dis que je prends Hora. Vous m'avez insulté, non? Je prends Hora, on va chez le juge. Mieux même que elle tombe malade. Je dis, même si elle ne venait pas chez le voisin, je viens chez le voisin charger le téléphone parce que ça me fait des fois déjà il y a quelque chose. Parce que même dans la voiture, je peux charger. Je peux même aller à Paris, je peux même aller dormir quelque part et tout, mais dors dans la maison là. Lundi matin, il va prendre lundi et AMS, comme tu connais. Mais si je ne peux pas prendre une personne, je ne peux pas prendre le courant, je vais rester dans la maison là. Ouah. Vous avez déjà vu quelque chose qui dépasse quelqu'un ici dehors? Vous avez déjà vu? Vous venez, j'ai la machette, j'ai tout, je vous attends. Je ne suis pas seule. Mes frères congolais là vont arriver tout à l'heure. Mes frères congolais arrivent. On est là. On va faire ça ici. Mais même chez la voisine, je peux caler ici. Pas le problème. Si elle cale. Tu ne sais pas que si elle dit, les blancs ne sont pas comme vous. Hein. Si elle dit à la voisine là que oh, voisine, je n'ai pas où dormir, je n'ai rien mangé. Tu vas voir qu'elle va me servir à manger. Ah oui, oui, oui. N'importe quoi. C'est vous qui avez encouragé ça. Vous allez voir. Voilà. On t'a dit que quand les gens squattent les maisons des gens ici en Europe, on a besoin de trucs. Je vais porter plainte. Oui, oui, oui. Je vais aller porter plainte et que et c'est ce que je vais. Je suis partie à la gendarmerie derrière faire quelque chose. Lundi, je vais rallonger comme ça. Non, je n'arrive pas à aller joindre Cécilia. J'ai essayé d'appeler. C'est Angie, non, que j'ai appelé. C'est Angie. Cécilia, donne-moi le numéro, voir alors.
Puis ce n'est que 18h. Donne-moi le numéro que toi tu as appelé, Cécilia, s'il te plaît. D'accord, Mariam de Miliam, laisse ça. Nous sommes en hiver. Laisse ça. J'ai dit que vous aimez le show, non? Vous aimez le show sur Facebook, non? Vous allez voir le show avec mon histoire. Donc, non, assez, apparemment, il est de nouveau avec Laurent. Qui était d'abord avec qui? Il était avec moi. Ah, c'est mon téléphone qui sonne. Oh! Ah bonsoir, ouais. Excusez-moi, vous allez bien? Qu'est-ce qui vous arrive? Bah j'ai, on m'a coupé le courant là, d'un coup vers 17h. Ah bon? Oui oui, donc du coup bah, je suis là pour charger, votre épouse a été gentille de me laisser charger. Vous avez des belles lunettes dites donc. Merci beaucoup, vous allez bien? Bah oui, ça va. Oui, ok, ça va, merci. T'as gagné du champagne? Qu'est-ce? Je sais pas, c'est mon téléphone qui sonne peut-être. Comme vous avez l'habitude, vous les Camerounais, vous avez l'habitude de faire ça à vos compatriotes. Quand en hiver, vous mettez les choses dans les sacs poubelles, vous mettez dehors, vous filmez, vous mettez sur Facebook, vous mettez machin et tout, machin tout. Moi, ma part là, c'est en live. Vous allez voir. Vous allez voir quelque chose. Mais bien sûr, qu'elle utilise, non? C'est elle qui est partie d'abord chez... C'est elle qui est d'abord partie chez l'abbé Samé. C'est l'abbé Samé que nous, on savait qu'il y avait un plan B aujourd'hui. Mais on ne savait pas que ça allait être qu'elle allait faire couper le courant. Mais il n'y a pas de problème. J'ai chargé chez le voisin. Après, elle part et dort. Quelqu'un qui vient, je sors la machette. La gendarmerie est déjà au courant. Voilà. Mais non, c'est mes voisins, ils me connaissent. Ce sont les voisins. Vous voyez comment les whites sont. Les whites sont cool. Voilà. Ici, là, je suis à 74%. Non, mais après, les autres, c'était... Je dis que laissez-moi les solutions, les machins que vous m'envoyez là et tout. C'est pour vous. Et ici, c'est la télé-réalité. Bientôt, on commence à vous montrer quand il n'y a pas à chier. Il y a que clé. C'est la télé-réalité. Je vous ai dit ça. Voilà. C'est comme ça. Manuel, là, laissez-moi que les chambres en colocation 300 €, les machins et tout, et tout. J'ai dit que même votre argent, même si vous cotisez votre argent, là, je ne veux pas. Je ne veux rien. C'est inhumain. Vous ne connaissez. Pourquoi est-ce que je mets ça comme ça? Parce que beaucoup de Camerounais vivent ça. Ça veut dire que tu es dans ton coin tranquille, tu as tes problèmes. Et tout. On te dit que tiens, voilà, les clés d'une maison viennent. Quand tu arrives, à peine tu commences à vouloir t'en sortir, on te commence un problème qui n'a pas de tête. Et comme je suis connue, directement on amène sur les réseaux sociaux sous forme de m'humilier. Et comme ils ont vu que non, la loi interdit qu'en période d'hiver, là on ne peut pas machin, ils ont coupé le courant. Donc moi maintenant, lundi, je mets le courant à mon nom. Lundi. Je mets à mon nom. C'est parce que la gendarmerie est déjà fermée. Parce que je repartais à la gendarmerie, dit que ils viennent de me couper le courant là-bas. Mais demain matin, je pars là-bas. Voilà. Chez les Ponce, j'avais mis le courant à mon nom. Ici, je vais mettre à mon nom aussi. Je ne veux aucun arrangement. Aucun. Où c'est parti là? C'est le show, c'est la télé, c'est en live. Je ne veux même pas que quelqu'un... me parle là. Marie-Suzanne, je ne veux ni son mari,
Samedi de 8h jusqu'à... Mais oui, c'est le numéro que j'ai appelé là. On est là, Roha. Grande salle influenceuse, je t'ai appelé tout à l'heure. Je te rappelle, mon téléphone chargé de l'autre côté. Vous allez m'entendre. Ici dehors. Vous voulez le show. Vous aurez le show. Les Africains sont méchants en France, mes chers frères et sœurs. Les Africains sont méchants en France. C'est-à-dire, les Africains, quand ils ne peuvent pas vous exploiter, quand ils ne peuvent pas vous faire marcher comme eux ils veulent, ils ont des comportements pareils. Celle qui est venue sur les réseaux sociaux vous a dit que moi je l'ai empoisonnée. Vous comprenez donc que c'est plutôt elle qui allait m'empoisonner si je n'étais pas forte. Parce que faire ceci en plein hiver, c'est inhumain. Mais ça ne doit pas vous étonner parce que si elle a couché avec le propre père, le propre mari de sa mère, elle a gâté le mariage de sa mère, elle a fait tout ce qu'elle a fait là avec ma chaîne et tout. Ça ne doit pas vous étonner qu'en plein hiver, elle me fait couper l'électricité pensant que ça va me faire partir. Mais que tu mens. Il y a le bois ici, non? Je vais allumer le feu. Tout à l'heure, là, ça va réchauffer toute la maison. Je vais allumer le feu. D'accord? Si j'ai faim, il y a le charbon. Je vais sortir le poisson, je vais mariner. Je vais braiser le poisson au charbon. Mais tu n'as même pas encore vu une fille. On s'en fout que le contrat ne soit pas à mon nom ou quoi. EDF, tu appelles, tu donnes ton nom. Nous sommes en France. Oui, j'habite là-bas et tout le monde. Vous pouvez, tac, tac, machin, on te change ça. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Elle-même, pour avoir la maison, si elle a fait les faux papiers. Je peux avoir la propriétaire de la maison si je raconte tout. Parce que Mungu n'a jamais travaillé. D'accord? Si vous voulez donc maintenant qu'on entre dans les détails. Lorraine Mungu, pour avoir cette maison, si là, c'est les faux papiers. D'accord? Les papiers pratiqués. Je peux tout faire lundi. Je rencontre la mairesse. Je l'ai déjà rencontré une fois. Je lui dis tout ce qui concerne la maison. Ah oui, oui, oui. Je sors tout. Puisque vous avez voulu venir sur les réseaux sociaux, Lorraine, tu as voulu venir sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux maintenant. D'accord? Donc, dès lundi, je vais te faire ça propre, comme il faut, proprement. Je vais te nettoyer ton cul de pétasse. D'accord? Je vais t'apprendre à bien nettoyer ton cul. Dès lundi. Ne remets pas le courant là. Ne remets pas le courant qu'elle dorme dans le suite aujourd'hui. Ne remets pas. Ça se passe par téléphone. Merci Marie. Merci ma soeur Marie Abbé. Les gens parlent de quoi? Vous venez sur Facebook, vous tapez la bouche. Je téléphone à ETF. Pam, pam, pam. Vous me mettez là-bas. Et tout. On me met tout de suite. Vous parlez de quoi? Hé. Appel d'urgence. Envoie-moi ça sur WhatsApp. Sur WhatsApp, s'il te plaît. Appel d'urgence. Envoie-moi sur WhatsApp, s'il te plaît. Merci. Envoie-moi ça sur WhatsApp. Appel d'urgence. Non, ils peuvent couper si on leur dit qu'il n'y a personne dans la maison. Ils vont couper. Donc moi, comme je vais rappeler le numéro d'appel d'urgence là, envoyez-moi ça sur WhatsApp. 06 11 51 54 80. Excusez-moi. Vous connaissez le numéro NG Urgence? C'est NG ou c'est EDF? C'est NG. Pour l'électricité. C'est comment? Non, c'est comment? Ah. Oui. Courant, c'est comment? EDF? Oui. La SICA? C'est la SICA ici, hein? Oui, ah ouais, j'avais SICA. Pas leur numéro. Ah ouais, super alors. Vous pourriez me marquer comme ça, je les appelle. Oui, c'est une facture. Oui, voilà, merci beaucoup. Comme ça, je vais les appeler. Attends, ma mère va te donner un autre couteau. Tu vas faire une soupe aux légumes avec mamie? Oh là là! Mamie, attends, elle te coupe. Voilà, on va me donner le numéro, c'est la SICA, donc moi j'appelais le mauvais numéro. Attends, prends pas ça parce que c'est dangereux. Mamie va donner autre chose. Oui! Ma soeur, je dis, le voisin me donne le numéro, je vais appeler tout de suite, on va me rétablir la lumière. Nous sommes en France. Tu fais attention, hein, c'est dangereux, tu coupes pas, hein. Comme ça, ma mère t'a fait voir. Yowanda. Tu fais? Yowanda, Nina. Oui, bien fais attention.
Ma soeur Marie Abbé, appelle-moi tout à l'heure. Ma zeboule, oui, tout de suite. Vas-y, me barrer ta bille, viens. Ouais, samedi, c'est fermé, hein. Oui, ils sont fermés. Il n'y a pas un numéro d'urgence? Non, je pense pas. Dépannage? Voilà, ok. 24h54. 24h54. Ah, super. Regarde, c'est 03-22. Non, attends.
Allô, allô, vous m'entendez? Oui, c'est le week-end. Pour les avoir, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'ai le téléphone qui est déjà un peu chargé, je pense. Que... Madame, oui? Je pense qu'il est un peu chargé déjà. Je vais chargé. Oui, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, viens. Prends une toilette. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, j'étais en ligne avec la SICA. Mais comme c'est le week-end, on n'arrive pas à les joindre. Donc, je vais encore insister. Je vais insister, insister jusqu'à ce que je les aurai. J'ai dit si quelque chose m'arrive, c'est Lady Ponce. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Lady Ponce. C'est elle. Tout ça, c'est elle. J'arrive, j'arrive. 70%. Ah, 70%, merci beaucoup, c'est génial. Merci beaucoup. Ça va aller. Va. Comme elle est... j'attends, je vais lui dire au revoir. Ah ouais, ça m'a chargé jusqu'à 70%. C'est génial. Boum. Ah oui, cette fois, ça caille, hein. Ouais, ça caille. Ça caille vraiment dehors. Ça caille. Ça caille. Numéro 80309. D'accord, ok. Dépannage Sikaye, oui, merci beaucoup. Sikaye, l'autre que j'appelais, il ne passait pas. Ah ben, merci beaucoup. Hein? Je vous souhaite un excellent appétit. Merci. Au revoir, princesse. Au revoir. Bonne soirée. Si, elle me l'a donné, merci. Au revoir. Si vous avez besoin, vous venez. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bah, vous voyez, les voisins me disent si j'ai encore besoin. Je viens. C'est ça, les Blancs. Les Blancs ne sont pas comme les Camerounais. Les Camerounais sont toujours en train de planifier. En train de mettre... Maintenant qu'on a les réseaux sociaux, alors c'est grave. Dans les réseaux sociaux, maintenant que vous opérez, vous montez les coups, vous faites des trucs. Je dis, si quelque chose m'arrive, c'est Lady Ponce. C'est elle. Si quelque chose m'arrive en France, que ma famille saccage Lady Ponce, découpée là qu'on ne retrouve jamais son cadavre. Si quelque chose m'arrive, voilà ce que je vous dis dans ce direct-ci. Parce que ce sont les gens de Lady Ponce qui ont dit à Lorraine Mungu. Parce que Marie-Thérèse Babon, que vous voyez là, la main droite de Lady Ponce, elle connaît tout en France. Elle connaît comment braquer. Elle connaît comment voler. Je vais prendre le compteur. Ne vous inquiétez même pas. Je vais prendre le compteur à mon nom. Je disais que la copine de Lady Ponce, Marie-Thérèse Babon, elle connaît tout en France. Elle sait comment braquer une Camerounaise. Comment voler. Elle connaît toutes les lois. Elle connaît comment. Puisqu'elle a l'habitude de squatter les maisons des gens. Donc elle sait ce qu'il faut faire. Donc à 18h, puis 17h, il faut appeler pour dire qu'il n'y a personne. Arrêtez le compteur là-bas. On arrête le compteur. Et tout. Ce qu'ils ignorent, c'est que c'est parce que je n'arrive pas à joindre le service. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais les. Joindre, je vais appeler. Donc, si quelque chose m'arrive, c'est Lady Ponce. Parce que c'est Lady Ponce qui a commencé la sorcellerie en me volant tout ce qui m'appartenait. Elle a volé. Oui, elle était de mèche. Laurent était de mèche avec elle quand elle est venue me proposer. Donc quand Lady Ponce m'a volé, elle m'a ramené sur les réseaux sociaux. On m'a insulté, on m'a tout fait, tout et tout. La même bande aujourd'hui qui a dit plan B. Le plan B, c'était qu'on coupe l'électricité, comme ça, elle va rester dans le froid. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, comme vous l'avez vu dans la gare là, qu'elle était malade, opérée, tout et tout, moi, je suis une guerrière, maman. Donc, je suis ici, je dors, je vais téléphoner, on va venir me mettre au courant. Vous entendez, non? Devant vous.
vous n'avez jamais vu quelque chose. Parce que vous faites les choses sur Facebook, là, vous tapez la bouche, pac, 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 derrière vos profils. Ça va se passer en live. Si ça me dépasse, si ça me dépasse, mieux gongata. Parce que quand on vous a déjà fait ça, on vous a fait ça, on vous a fait ça, on vous a fait ça, il faut cibler une personne, vous finissez avec la personne. Oui, oui. Mais nous tous, on devient les parents, ben, que nous tous, on est fous. On va m'interner chez les fous, là, 6 mois et tout, machin, tu après, elle va sortir. Mais même comme ça, même, sache que dans ici, là, on va courir ici dehors. Toi et moi. Si quelqu'un peut prendre un abonnement maintenant, là, la personne m'appelle 06 11 51 54 80. Vous me téléphonez, vous me prenez l'abonnement maintenant, on met ça, la lumière, tout de suite, tout ça, sur le téléphone. Parce qu'elle n'arrive pas à les joindre. Je vous donne l'adresse, vous m'envoyez, vous me mettez au courant. C'est tout. Je prends ma hache et ma machette. Marche avec ça maintenant. Maman, on va devenir les maquisards en bec. Va devenir les maquisards ici là, en bec. Parce que tu as ta chose tranquille et tout. Les gens veulent te faire péter les plombs ici en bec et tout. Mais tu pètes les plombs sur eux une fois. Voilà. Comme vous avez voulu que ce soit filmé, Lorraine Mengecha a dit que ça va se passer sur Facebook. Je suis venu sur Facebook. On est sur Facebook. Télé-réalité. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Télé-réalité, je n'ai pas honte. Bien au contraire, ceci va servir de leçon à tout le monde. Voilà. Là, vous voyez qu'en Europe, quand on te tend la main, ce n'est pas forcément parce qu'on veut t'aider. Voilà. C'est qu'il y a un piège. Donc, Lady Ponce et Lorraine Meng sont de connivence depuis. De connivence. Donc, ils m'ont amené ici pour bien m'enrouler et tout, bien m'envelopper, me revoler une seconde fois. Donc, le tout-ci, hein, c'est Moraouaou. Moraouaou, le tout-ci, Moraouaou. Mieux d'aille une fois. Les lumières ici, là, ce sont les lumières automatiques. Hein. Voilà. Ce sont les lumières automatiques qui s'allument quand on entre. Je pense que vous avez ça chez vous. Voilà. Donc ici, là, comme c'est coupé là, il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Il y a le charbon, il y a les marmites. Demain matin, elle va chauffer l'eau comme au village. Mais un gars qui est avec eux au village. Demain matin, j'allume le charbon. J'allume le charbon et je mets le feu. Je vais repartir chez les voisins à 21h pour charger encore le téléphone. Voilà. Tout à l'heure, là, je vais repartir pour recharger le téléphone. Bon, il y a un numéro. De l'opérateur qui donne le là-bas. L'opérateur, c'est le numéro qu'on a donné tout à l'heure, là. Ah, j'ai pas suivi. Dans le numéro. Attends, j'épingle le numéro. Tu je t'envoie l'adresse. Tu me remets le courant, ma. Tu me remets le courant tout de suite. C'est qui ça? La Coco Gang, on dit que vous ne valez rien. On fait ça à Capi. Envoie l'adresse, Capi. Je t'envoie l'adresse tout de suite, ma chérie. À tout de suite. Ouais. Les gens veulent entendre. On est en bain. Mon frère, vous avez déjà vu les gens? Ici en bain, même 10 ans, les gens. Ouais, le numéro, remettez-moi le numéro, le numéro. Remettez-moi le numéro là, s'il vous plaît. Remettez le numéro que vous avez mis tout à l'heure. Épinglez le numéro là. Il y a une Coco Gang qui veut le numéro. Oui, pas d'électricité, pas d'eau chaude, pas de truc. On va faire ça ici là. Maman, c'est en live. Remettez le numéro, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est la stratégie. C'est la stratégie pour me passer. Ils savent que légalement, ils peuvent me faire partir. Donc, ça, c'est la stratégie. OK. Merci beaucoup, Maud. Donc, on va épingler ce commentaire.
Voilà, j'envoie le numéro. Maman, et même souvent le pain est là-bas en haut parce que le truc c'est là. J'ai senti le danger dans la maison si depuis je suis là reparti prier. Je suis resté 40 jours. J'ai senti qu'on voulait me faire du mal dans la maison si je suis parti prier 40 jours. Attends, il va enlever ça. Lève le pain. Le pain que je mets souvent pour cacher la lumière. Voilà. Quand je suis arrivée ici, j'ai senti que c'était le piège, mes gens. Je suis partie, même pas 10 jours, je suis partie prier. Je suis partie prier, je suis restée 40 jours. Parce que j'ai senti le truc. Je suis revenue vers le 20 décembre, comme ça. Je me suis dit, ouais, je vais préparer mes commandes et tout, ça va bien se passer. Et puis... je vais sortir de là vite fait, mais les commandes ne se sont pas passées comme il fallait. Voilà. Donc, alors, le numéro, c'est la Sikaye 03. Voilà. 7-7. Oui. Alors. 0 quoi. 69. 24. 09. 88. 2. Rue. Grand. Voilà. On a la place à la Coco Gang. La Coco Gang, ceux qui ont les huissiers là, qui sont vers Amiens, Compiègne, tout ça, téléphonez aux huissiers qui viennent constater. La fin, si on va aller au tribunal. Voilà. Envoyez-moi, parce que Lady Ponce pense que. Parce que les chanteuses et musiciennes au Cameroun, ça dit, non seulement qu'elle va faire ce qu'elle fait au Cameroun, mais elle va venir me pourrir la vie après m'avoir volé. Faut maintenant qu'elle monte les coups. Elle monte déjà, parce que tout ça, c'est son coup. Parce que je vous jure que j'étais au Kyriade. Lorraine Menga est venue me donner les clés au mois d'août. Me harceler même pour venir ici. J'ai gardé août, septembre, jusqu'au 17 septembre que je suis venue aménager ici. 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5. J'étais même pas, on va dire, 3 semaines. Je suis parti à Lourdes. De Lourdes, je suis revenu le 20. Le 20 décembre. Jusqu'à maintenant. Donc, on va dire que 1 mois, même pas 2 mois que j'habite ici. Et ce n'est même pas une maison qu'ils vivent ici. Ils ne vivent même pas ici. Donc, pour vous dire que c'était un plan, c'était un coup monté, qu'il fallait seulement qu'elle vienne avec mes habits, mes chaussures et tout, pour qu'on me vole encore tout, pour qu'on me fasse encore tout. Lady, maudite que tu es. Si quelque chose m'arrive, tu vas porter tous les nanga au corps. Nangi bobe sav la nilo, nangi bobe se an nanga, nangi bobe se. Ma ka yo ma vung nzoni ne liri pense. Lady pense, nya nya bon me plan benave se. Zama m'wa propose me nyi zama va lang. Tu t'en as ici, ma me paix. D'abla n'en kra. En plein hiver. Bekri me courant. A me force, mes amis vani. Ma me ta vani. Ve mimo, wa tibi va toravna.
Ah ouais. On ne peut pas couper, machin, comment j'étais avec vous en direct. On a coupé comment? On peut couper. Il y a zéro impayé ici. Zéro impayé. Cadeau empoisonné, maman. La fille est venue vous dire que moi, je l'ai empoisonné. Vous voyez donc que c'est elle qui voulait m'empoisonner. Maman, je suis venue ici. C'est que je dors avec la Vierge Marie ici. Je suis avec la Vierge Marie, je prie. Sinon, vraiment, on m'aurait déjà fait quelque chose ici, là, dans la maison-ci. Un cadeau empoisonné, mes gens. Cadeau empoisonné. Que mon histoire serve de leçon aux blogueuses parce que vous ne vous rendez pas compte des ennemis que vous vous faites. Hein? Voilà. Non, toutes les portes sont verrouillées. Ne vous inquiétez pas. Je reste ça en direct avec vous. Au moins, vous savez que si quelque chose m'arrive, c'est Lady Ponce et toute sa bande. Lorraine Meng travaille pour Lady Ponce. L'abbé Samé, vous avez suivi le direct tout à l'heure. On a parlé de plan B, donc c'était ça le plan. Donc, couper un samedi, on coupe l'électricité, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on est en France. Et tout. On va téléphoner et puis on finira par trouver une solution pour me faire avoir le courant ici. Oui, oui. Voilà, Guylaine Chapuis. Regardez, Guylaine Chapuis, elle est que dès que je fais, regardez, Guylaine Chapuis m'envoie un message. Voilà, Guylaine Chapuis, elle prend, elle est que dès qu'elle entend quelque chose sur moi, elle prend. Tout ça, c'est elle qui est derrière. Tout ça, là, les Guylaine Chapuis, les Lady Ponce, c'est elles qui sont derrière Lorraine Meng. Ce que vous oubliez, c'est que Lorraine Meng va perdre ici. C'est une maison louée. Il va tellement foutre le bordel ici que la propriétaire va reprendre sa maison. Vous allez voir quelque chose. Parce que, regarde, vieille pute ratée, tu n'as pas honte, 57 ans. Guylaine Chapuis, aujourd'hui, tu as enlevé un an sur mon âge. L'autre jour, c'était 58 ans. Aujourd'hui, c'est 57 ans. Guylaine Chapuis, 30 ans en France, face finie, comme une sorcière que le diable a lâché. Tu n'aurais pas dû te mentir, me mettre sur moi. Tu n'aurais pas dû mentir sur moi. Moi, j'ai menti sur toi, Guylaine. Tu es une vieille pute, tu ne vaux rien. Guylaine Chapuis, tu ne vaux rien. Regarde-moi, je suis dans l'obscurité et te dis ceci. Alors, tu es en train de m'écrire, attends, elle met la bougie. Ici, là, c'est la télé-réalité. Guylaine Chapuis, je n'ai jamais rien menti sur toi. Tu tapinais à la rue de Genève, 85 rue de Genève, tu faisais la prostitution là-bas. Tu n'es qu'une vieille chouette. D'accord? Tu ne vaux rien. Tu dis que j'ai menti sur toi. Tu es parti au Cameroun avec ton blanc. Vous avez ouvert quelle société on a vu? Tu pars au Cameroun parce que la prostitution t'a dépassé en Europe. Tu dis que tu pars faire les affaires au Cameroun. Tu me dis quoi? Tu me dis, mère indigne avec quoi? C'est toi, mère indigne. Tu amènes ton fils Loïc dans les clashs. Apparemment, ton fils Loïc, c'est une tapette, une fiotte, un pédé. Donc, là, tu as raté de l'éducation. Parce qu'avoir un enfant d'Epso, c'est que tu as raté. Mon histoire, c'est là, je n'ai pas peur de me cacher. C'est vous toutes qui êtes derrière Lorraine Mungue, je sais. Parce que toi, Guylaine Chapuis, tu auras moi-même attendu. Tu auras dit, il faudra attendre même demain pour commencer. Mais tu viens directement, tu m'insultes. Ça veut dire que vous êtes toutes derrière de Lorraine Mungue. Et ça, c'est bien parce que les Camerounais sont connectés. Dans les tontons du Cameroun, Guylaine Chapuignina, là voici qui m'écrit. Voilà une fille qu'elle monte les coups pour que les autres Camerounaises soient dans la merde et elle vient là-bas s'asseoir pour vous faire les propositions des faux marchés et tout et tous les marchés fictifs pour que vous vous signez, vous lui donnez l'argent. Ne signez plus jamais ces factures qui sont là parce qu'elle dit qu'elle a les factures qui sont impayées dans les ministères. Guylaine Chapuis, là voici, qui m'écrit. Vous avez vu, je vous donne son numéro de téléphone. Guylaine Chapuis, 00237-99-45-26-56. 99-45-26-56, c'est le numéro de Guylaine Chapuis. La Coco Gang, bombardez-moi les insultes là-bas. On va les traiter maintenant. C'est la guerre. Voilà. Donc, Guylaine Chapuis est derrière Lorraine Meng, derrière Lady Ponce, derrière, c'est tout un clan, donc vous comprenez. Voilà. Il n'y a pas histoire de que la honte tout de suite. Vous avez voulu que ça vienne sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux. Je pense qu'après mon histoire, si, parce que là, vous ne connaissez même pas. Ça dit la tournure que ça va prendre. Ça va prendre une autre tournure. C'est la télé-réalité. Moi, je vais tout filmer. Je vais tout vous montrer sur cette chaîne. Je pense qu'après ça,
Quand les Camerounaises ou les Camerounais viendront sur les réseaux sociaux avec un problème, vous n'allez plus vous mêler, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, l'affaire, si là, ça va finir sur moi. Oui, oui, oui. Si quelqu'un doit mourir, quelqu'un doit mourir sur l'affaire, si là. Comme ça, peut-être vous serez électrocuté. Et vous allez comprendre que il y a les choses que quand vous voyez, vous regardez même d'abord l'état de la personne qui vous explique les choses et vous essayez de sermonner la personne. Voilà. Guylaine Chapuis, c'est une salope. Guylaine, tu penses que ce que j'ai là, c'est les problèmes? Je peux même plier mes choses maintenant, je pars, je demande la voiture, je pars. Mais je ne pars pas. Et là, oui. Ne pense pas que je suis là que parce que peut-être machin. Je peux demander à la Coco Gang là. Ils vont aller, ils vont m'envoyer même les recharges PCS ou bien ils vont me faire les mandats que je vais récupérer demain matin. Je prends un logement. Mais je ne pars pas juste pour vous montrer que au Vagan Star, qu'il n'y a rien qui me dépasse dans la vie. Je peux dresser ici un mois. J'ai dit que j'ai le charbon, là, il y a le bois. Je vais allumer le bois en live demain. Comme le voisin m'a permis que je ne peux pas aller sonner je peux aller charger mon téléphone là-bas. Tout à l'heure, j'avais coupé le direct, je repars là-bas et charge vite le téléphone. Je reviens là. Il dit que c'est maintenant que la télé-réalité commence. Même mon père sort de la tombe, là, il sort maintenant devant moi, il me dit qu'il ne laisse, il ne laisse plus. Oui. Et Lorraine Mungo, tu as intérêt que, je sais que jeudi, tu es dans le train pour aller à Mulhouse. Jeudi, on sera à Mulhouse ensemble. Crois-moi, au tribunal, que tu vas aller parler, tout là-bas. Les gens de la DASA, je vais leur montrer tes directs, ce que tu as fait. Tu ne verras jamais ta fille. Tu ne la verras plus jamais avant ses 18 ans, comme le monsieur là t'a dit. Moi, je vais te traiter. Moi, je vais te traiter. On est en Europe. J'ai dit, tu es au tribunal à Mulhouse, non? Avec Tani Souhait pour l'enfant. Tani Souhait, prends déjà la vidéo où elle a fait là, les dingueries et tout. Tu amènes, tu présentes déjà, c'est-à-dire au service social là-bas. Ça, c'est une mère indigne, c'est une mère qu'elle ne doit plus jamais voir sa fille avec les yeux. Lorraine, moi, elle t'avait dit qu'elle va te prendre quelque chose, elle va te prendre ça. Quand elle dit prendre quelque chose, c'est pas forcément ton mari ou bien machin, parce que ce que tu veux faire croire aux gens, c'est que moi, ton mari. Ton mari ne m'intéresse pas. D'accord? Voilà. Parce que si tu es là, resté 4 ans avec un homme comme ça, c'est que lui-même, il a déjà accepté, il aime ce que tu fais et tu l'as accepté ta folie. Tout le monde n'est pas folle. Moi, j'ai un autre degré de folie. Et je vais te montrer, parce que tu as l'habitude de faire sur les réseaux sociaux avec les gens. Je vais te montrer. Comme j'ai déjà allé, dis pense que toi, même mon cadavre, mon fantôme, si je tombe aujourd'hui là, tu ne peux pas faire 24 heures, tu vas mourir. Parce que je suis une enfant compliquée. 24 heures, tu vois, quelque chose va t'arriver, tu vas mourir, tu vas me suivre. Oui. Voilà, comme ça, nos enfants vont tous rester souffrir derrière, il n'y a pas de problème. Mais je dis, nous sommes en Mulhouse ensemble. C'est comme, je dis, tu seras avec ton fils, ou bien avec tes enfants et tout, machin, tout. Mais je vais te calculer. Je vais te toucher dans ta vie. Je vais te toucher quelque part. Ce qui est sûr, c'est ça, je vais te toucher. Moi, mon fils, il est chez son père, hein. Quand j'ai pris mon enfant, j'ai donné au Togolais. C'est que l'enfant est là-bas. Au Cameroun, je n'ai rien. D'accord? Voilà. Donc, je peux te faire ça sauf que je te fais pian. Rien à foutre. Je suis une bandite. On me prend, on me met en gâteau. Il n'y a pas de souci. Mais je te fais ça. Je vais te faire que ce n'est pas les hospitalisations que tu fais souvent en psychiatrie. Là. Je vais te toucher avec les mains. Je vais te toucher. Approche-moi. Je prends la maison du voisin, il n'y a pas de problème. Oui, vous êtes comme ça. C'est vous qui avez encouragé Lady Ponce à me voler, non? Voilà, elle a volé pour qu'elle me retrouve dans la merde et tout. Les gens sont mauvais jusqu'à. C'est Lady Ponce qui a volé mes choses. Non seulement elle a volé mes choses, mais elle est derrière pour me nuire. Elle est là pour monter les coups et tout. C'est elle qui a monté tout ça. Pensant que peut-être si elle monte comme au couple l'électricité, j'aurais honte qu'elle sera en train de rigoler. On a coupé. J'ai manqué en public. Oh, que vous avez fait couper le courant. Eh ben oui. Et oh, le courant là sera établi. Oh, on a un ben. Ici, un ben, tu appelles et tu dis que oui, on a coupé le courant. Oui, je viens d'occuper la maison là. Et tout. Vous pouvez m'établir. Oui, les factures. Oui, 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 oui. C'est tout. Maud. Moi, de ça, elle m'a appelé. Oui. Oui, allô? Je viens de voir la dame. Elle m'a dit que tu dis de l'appeler. Appelle-la
Ok, attends. Quel numéro? Ok, d'accord. Ok. Mm-hmm. Guylaine Chapuis dit que le ndoutou, c'est ça, quand ndoutou, vous allez monter les coups et tout, c'est le ndoutou, ça, c'est les coups, venez me faire en face, ne montez pas les coups pour après dire que c'est le ndoutou, c'est pas le, c'est jamais le ndoutou, c'est vous les ndoutounga, que vous passez votre temps à monter les coups, vous pensez que vous pouvez me faire ici en Benji, rétabli la musique, la lumière là, tout de suite. Tout de suite. Au clôtard, lundi matin, il y a la lumière dans la maison. La conversation est enregistrée. Merci de bien vouloir patienter. Vous allez être mis en relation avec un téléconseiller. Oui, appelle la police, ils vont rétablir. Ne vous inquiétez pas. Et vous prions de bien vouloir patienter. Merci. Nous sommes en, c'est un pays de quoi ici, hein? Hey, hey. Retrouvez toutes nos informations et actualités sur notre site www.ficae-oise.fr. Connaissez-vous l'ensemble de nos services? Bénéficiez d'aide Ficae Oise jusqu'à 1000 euros. Il fait chaud ici, hein? Donc ne vous inquiétez pas pour moi. Si j'ai même foi, elle met les manteaux. Vous désirez étaler sans frais le règlement de votre facture, optez pour le prélèvement douceur. Tous nos services sur www.ficaewaz.fr. Ça se décharge, elle va charger dans la voiture ou bien chez le voisin. Naturellement, le courant passe. Les téléphones sont chargés, ne vous inquiétez pas. Nous nous efforçons d'écouter votre attente. C'est Lady Ponce qui a mis le rouleau compresseur derrière moi. Vous parlez de quoi? Et vous dites que même les gars me blaguent. Les garçons me blaguent. C'est... Estimez-vous heureux que vous n'avez pas encore vu mes nudes de dehors. Ça, c'est rien. Que je suis dans une maison, monte, que je sorte et toi me coupe. C'est rien. Je serai morte aujourd'hui. Et vous dites que la fille donne les millions au marabout pour me tuer. Ça, c'est rien. Je veux juste vous montrer ce que je subis. Donc, on va vivre ça ensemble. Vous désirez étaler sans frais le règlement de votre facture, optez pour le prélèvement douceur. Tous nos services sur www.ficaewaz.fr. Maude, j'arrive pas à te joindre. Ficaewaz, naturellement, le courant passe. Nous ne sommes pas au niveau de que qui est belge, qui est belge, qui. J'étais ma chose tranquille, on m'a donné les clés que voilà une maison, tu peux faire les fumaisons là-bas. Voilà. Maintenant qu'on ne s'entend plus, ok, on ne s'entend plus. Voilà, tu pars quand? Voilà. Je pars tant. Vous me laissez le temps de faire mes choses et puis partir. Vous ne me mettez pas la pression. Mais on met la pression à la pression. Vous parlez de quoi? Parce qu'elle dit que, oh, elle avait fait à Lady Ponce. Comme Lady Ponce avait machin. Oh, c'était, hein. Comme elle parle comme ça, on va couper le courant et tout. Couper le courant, je suis là. Je suis là. Il y a la cheminée en bas, elle va allumer le bois, derrière qu'il y a le bois, elle va allumer 24 heures sur 24, il y a le bois et ça va réchauffer toute la maison. On est là. Connaissez-vous l'ensemble de nos services? Bénéficiez d'aide Ficae Oise jusqu'à... Prélèvement douceur, oui, oui, j'ai aidé, oui, j'attends qu'ils me prennent. Ou d'isolation. Vous désirez étaler sans frais le règlement de votre facture, optez pour le prélèvement douceur. Prélèvement douceur. Merci beaucoup, Nina. www.ficaewaz.fr. Ficae Oise, naturellement, le courant passe. Faut laisser les procureurs de Facebook et machin, nani, nanana, nanana, on s'en fout. Ici, c'est la Coco Gang. Je suis venu ici à cause de mon problème avec Lady Ponce. Dans tout ce que Lady Ponce fait, qu'elle organise et tout, je vis ça avec vous, hoha. Quant aux procureurs et mercenaires de Facebook, là, vous n'avez encore rien vu.
Vous êtes tombé sur Ovadanga. Danga, moi là, vous ne pouvez pas. Merci. Retrouvez toutes nos informations et actualités sur notre site www.sikaï. Alors, j'explique à nos familles du Cameroun qui sont connectées. Quand vous entendez souvent que oh, on a mis ces choses dans la poubelle, on a jeté machin, c'est comme ça. Ça part de ça, de rien. Que tu as les problèmes avec les compatriotes, ils décident de t'humilier, ils décident de te mettre dehors en plein hiver, comme ils voient qu'ils ne peuvent pas, que toi-même tu es tu et tout, machin, ils décident de couper le courant. Donc, les autres vivent souvent, ils ne vous montrent pas en public. Mais moi, elle n'est pas honte. Cabrimon n'a plus peur. Ou bien, Ampoule Grillée n'a plus peur de court-circuit. En live! Dès que mon téléphone va se décharger, je vais aller sonner chez le voisin. Quand la police va arriver, le voisin même va voir. C'est le voisin même qui va dire au policier que elle voulait que venir charger son téléphone ici. Oui. Mais si l'autre voisin s'y dort, il va aller là-bas en bas, il va aller sonner chez l'autre voisin. Tout le village s'y va nous contenir demain. Si ce n'est même pas me déshabiller, même comme me mettre nu la route demain, qu'il va faire. De bien vouloir patienter. Hey. Merci. Les gens elles m'entendent ici, donc quand elle s'achète tranquille, elle est en train de se guérir psychologiquement que on vient de voler. Retrouvez toutes nos informations et actualités sur notre site. Oh là là, ça dit. Allô? Oui, allô? Oui, je n'arrive pas à joindre les gens de la SICA là. Oui. Oui. Est-ce que vous avez vérifié le compteur? J'ai vérifié le compteur, ça s'est arrêté, il n'y a rien. J'ai tout monté et tout. C'est eux qui ont arrêté. C'est eux. Hein? Hein? Non, je vais demander à mon conjoint parce que... Oui. Le disjoncteur est ici. Tout est normal. Le fournisseur électricité de couper, voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, si tu dis au fournisseur qu'il n'y a personne... Je vis ici, j'ai les clés depuis le mois d'août, mais je vis ici depuis le mois d'août. Mmh. Oui. Je téléphone à la police, j'ai dit à la police que je suis léger et ils m'ont coupé le courant. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses que si elle appelle la gendarmerie tout de suite, parce que c'est une dame qui fait la cuisine, qui est prestataire, qui est lumière, donc elle a un congélateur plein, et donc sa nourriture peut courir. Ah oui, moi j'ai ma nourriture, j'ai mes choses, hein, pour ma cuisine, tout ça. Ils vont devoir me dédommager, hein, j'ai toute ma nourriture qui est là, tout, mais. Ah oui. Qui peut m'envoyer un numéro d'huissier là du côté d'Amiens, Compiègne, tout ça, un huissier qui bosse 24 heures sur 24 pour venir faire un constat? Huissier dans la Somme. Fermé, ouvre un huissier. Hey. Il n'y a aucun huissier 24 heures sur 24 là. Hein. De 12 à 14 heures, 18 heures. Hey. Huissier. En fait, il faut qu'un huissier vienne constater. Constat huissier.
Alors. On va faire les choses calmement et clairement. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Suis-je au constat d'huissier 24 heures sur 24? Oui. Oui, en fait, je suis logée chez des amis qui m'ont remis les clés de leur appartement depuis le mois d'août dernier. Oui. Voilà. Et là, depuis quelques jours, on a un souci. Voilà, donc ils voulaient que je libère l'appartement, mais vous voyez, comme on est en période hivernale, et puis sans préavis et tout, j'ai vraiment pas où aller. Donc du coup, là, ils viennent de faire couper l'électricité, et je voulais qu'un huissier vienne constater. Que faire? Oui, mais vous habitez où? Dans la Somme. Vous avez des huissiers? Oui. Oui, non, mais là, je suis pas... Non, c'est pas possible. Je peux appeler quel numéro? Je suis dans le 95. Ah, vous êtes dans le 95. C'est assez loin. C'est assez loin. Merci. Oui, c'est assez loin. Hein, bonne soirée. Ok. Donc, il y a les huissiers même. Celui-ci, il est dans le 95. Ouais, je reste au téléphone. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Si ça coupe ici, je vais brancher l'autre téléphone. Je vais ramener même l'autre chez le voisin. Il charge. J'ai au moins 5 téléphones. Ne vous inquiétez pas, je suis en direct avec vous. C'est à Paris qu'il y a plein d'huissiers là. Oh là là, hors de Paris comme ça là. C'est un peu difficile là. Voilà, parce que si je fais constater un huissier tout de suite, c'est mieux. Ouais, mais ils sont tous fermés. Ils chient. Attendez, j'ai trouvé un huissier. Ah non, c'est Paris. Allô? C'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Prends ce numéro. Prends ce constat. Ah oui. Oui, oui, parce que c'est pas loin. Bon, ben, c'est pas loin. Attends, je vais chercher le bic. Attends. Attends. Attends, prends le bic. Que je le bic. Même je peux même noter. Oui, c'est que les pics sont où même ici là. Ça va noter sur un téléphone. Je n'ai pas le pic là. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Non, attends, je prends le papier. Attends. Ouais, tu m'envoies par SMS. D'accord, ma chérie. Le contact, ouais. Ok. Non, non, on va en arriver là. On va en arriver là. On est dans un pays parce que vraiment les gens exagèrent. Donc, parce que tu as un petit souci, non seulement on te ramène sur les réseaux sociaux, on fait des choses pour te... Alors, on ne fait pas ça. Je n'ai même rien fait. Nous sommes en hiver, voilà. Huissier? Non, tout le monde a connu ça. Mais le problème, c'est que c'est bien comme je suis connu que mon histoire serve d'exemple. Comme ça, certains vont arrêter. Donc, notez bien tout. Vous, quand vous faites les chantages et tout là, que mon histoire serve de leçon. Voilà. Donc, c'est ça. Nous sommes en direct. C'est comme ça là. Donc, le numéro. L'huissier, c'est pas gratuit. Même si c'est 100 euros, j'ai les membres de la Coco Gang qui vont payer. Voilà. Parce que vous aimez entendre. Là, maintenant, là, il va demander l'argent. Au Camerounais. Vous l'avez par SMS. Oui, oui. Ok. Maintenant, il va demander l'argent aux membres de la Coco Gang. Parce que là, gros, c'est gros. Même une association sera créée avec mon histoire-ci. Mais vous parlez de quoi? Ha! Quand c'est gros, c'est laid. Ça, c'est quoi ça? Vous tendez, vous donnez les cadeaux empoisonnés aux enfants des gens ici en Bain. Hein? Viens. C'est pour te piéger. Alors. Alors, 06. Attends. Oui, 06. Ok, 07. D'accord. Delta ici. D'accord, ok. À tout à l'heure, j'appelle. Merci beaucoup. 8, 46.
Oui, c'est Delta Ichier? Oui, en fait, j'avais besoin, si possible, d'un constat du côté de mon Didier, parce que j'ai les propriétaires de cette maison qui me logent, ils m'ont coupé l'électricité là. Oui. Je vis dans cette maison, en fait, j'ai les clés depuis le mois d'août, mais j'y suis installée depuis le mois d'octobre. Donc depuis quelques jours, on a des malentendus, c'est parti sur les réseaux sociaux et puis ben, tout à l'heure, ils m'ont coupé, ils ont carrément coupé l'électricité. J'ai plus d'électricité du tout. Donc on m'a dit, il faut qu'il y ait un constat du chier et puis avec ça, je vais aller à la police d'ici demain. Ce soir, s'il vous plaît, parce que c'est ce soir que ça s'est passé. Soir, 500 euros. Et il faut vous les payer en espèces. Ou par carte, ou par virement. D'accord. Alors, je reviens vers vous dans 30 minutes. D'ici 30 minutes, je reviens vers vous. À tout de suite. À tout de suite. Alors, constat du chien, tout de suite, là, 500 euros. Pour qu'ils viennent constater de suite. Ceux qui veulent me faire les mains levées là, envoyez-moi les PC, je charge, je paye le chien. Quelque chose ne peut pas nous dépasser. 500 euros. Pour le chien, il vient faire le constat tout de suite. Mon numéro, c'est le 06 11 51 54 80. On m'a insulté que je n'ai personne. Voilà. Donc, 500 euros, il me faut 500 euros là, de suite. Je donne à l'huissier. Il vient dans 30 minutes. Appelez-moi, vous me dites. Envoyez-moi les cartes, même les virements, même le truc. Oui. On finit avec eux. Laissez l'histoire de que plan, mais vous laissez la faire si comme ça. Si on laisse les gens, si là, les Camerounais vont faire ça aux autres Camerounais. Il faut qu'on montre à ces gens-ci qu'on ne peut pas faire ça à un être humain. Qu'en plein hiver, vous coupez le courant. 500 euros. 500 euros, Lucien vient, il constate. Dès qu'il constate, là, il va rester ici même jusqu'à dans 2 ans. Oui, même 2 ans, parce que là, c'est la plainte qui va partir. Voilà. 500 euros. PayPal, le numéro PayPal. Voilà. Ok, attendez, c'est peut-être mieux que... Attends. Je vous colle le PayPal. Voilà. Le numéro PayPal, c'est le même 06-11-51-54-80. C'est le PayPal, c'est le même numéro. Ceux qui veulent faire le virement, si vous voulez, virement instantané, je colle le RIB. Voilà. C'est comme ça. Vous demandez que vous cherchez les problèmes aux gens ici dehors. Les Camerounais sont méchants en Europe. Mon histoire, si là, doit servir de leçon. Lucien demande 500 euros, il vient constater, et devant vous, il fait le constat. Voilà. Je te jure qu'elle, tu as vu ça, non, je gars? Coupé. Non, parce qu'en fait, oui, le PayPal, c'est la cocotte africaine. Oui, vraiment, excusez-moi. Attendez-moi pour le PayPal, là, je vous envoie. C'est la cocotte africaine, le PayPal, là. Attendez. Je pars sur mon compte, je vous mets PayPal. Attendez, mon PayPal, là, encore, sur quel... Voilà, PayPal. Voilà, c'est Coco. Attendez, le PayPal, notez. Oui, allô? Oui, Coco, tu dis, hein? Oui.
Je n'arrive pas à les joindre. C'est le week-end. Je n'arrive pas à les joindre. Je n'arrive pas. Essaie un peu toi de joindre, voir. Je te dis, j'ai déjà essayé de joindre là. Attends, je suis en train de... Je vais prendre, oui, toi aussi. Laisse. Oui. Laisse, je vais prendre. Oh, maman, attends, j'appelle d'abord l'huissier. Je résous d'abord le problème de l'huissier là. Attends, je vais mettre le mail pour le PayPal. Attends. À tout à l'heure. Chang et Mantang qui font le mauvais cœur ici. Voilà le travail des Camerounais en Bénin. Fait le mauvais cœur parce qu'ils ont les maisons, une maison même qui loue. Le mauvais cœur. Donc, le PayPal, qui peut noter là? Information du compte. Voilà. Coco Lago TV. Que quelqu'un note et puis on va épingler, s'il vous plaît. Coco Lago TV, comme c'est écrit, @gmx.fr. C'est le PayPal. Coco Lago TV. Coco Lago TV @gmx.fr. Voilà. C'est comme ça. Vous êtes venu sur Facebook, vous m'avez insulté à cause de vous. Des insultes, quand elle vient et vous dit qu'une chanteuse m'a volé, elle m'a tué socialement. Hein? Vous n'avez pas compris. Moi, voici maintenant, on me demande les 300 euros pour venir constater parce que c'est le week-end. Et tout. Bon, moi, j'ai déjà téléphoné, il y a les classes. Maintenant, je vais appeler. Oui, je vais appeler la police. Et tout, et tout. Tout ça. Comme ça, elle laisse les classes partout. On sait déjà. Parce que quand l'affaire va déclencher lundi matin, ça sera une autre dimension. Voilà. Voilà les gens qui viennent avec le tribalisme ici. Vaquer, machin, vient, machin. Vous, dans tout, vous faites le tribalisme. Dans tout. Dans tout, vous faites le tribalisme. Dans tout, vous venez maintenant, vous viens, berger ta soeur et quand. Tu es sûr que... Les Bamlékés n'ont pas ce genre de problème. Nous sommes tous Camerounais en Europe. Hein? Ah oui, oui. C'est pas seulement les Ékans qui ont ce genre de problème. Voilà. Ce n'est pas seulement les bêtis ou bien les machins. Vous venez toujours parce que vous êtes dans les querelles. Les querelles bêtes sur les réseaux sociaux, sur la politique camerounaise. Toi, tu ramènes maintenant un commentaire. Oui, Vaquer, viens chercher ta soeur et quand et tout et tout. Hein? Allô? Oui. Bonsoir. Bienvenue à Urgence Sécurité Gaz, centre d'appel sécurité de GRDF. Je vous reviens.